Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gaël de Toulon, j'espère que vous avez la grande forme, pour moi ça va super les potes. On se retrouve pour une vidéo exceptionnelle tout simplement parce que je vais essayer de vous aider. Je vais essayer de vous aider les potes, je vous promets rien, mais en tout cas, regardez la petite tête en bas à droite. Il y a, c'est une tête de mort, voilà, jusque là tout va bien. C'est tout simplement le défi de la mort subite. Je vais essayer de vous aider à faire les 9 victoires. Là vous dites putain cool, cool Gaël, merci beaucoup. Eh ben ça me fait plaisir de vous aider les potes, voilà je vous le dis. Donc tout simplement, bon c'est un petit peu, mais je le dois un petit peu à mes potes du clan Nova French Army que j'embrasse. Parce que c'est eux qui m'ont pondu ce deck de je ne sais où, qui fonctionne à merveille. Franchement, vous allez faire les 9 victoires. Croyez-moi, j'ai pas dit du premier coup, mais en 2-3 tentatives les potes, sérieusement. Alors il n'y a pas énormément d'or, il n'y a pas énormément, il n'y a que 9 épiques à prendre, je sais. Je suis désolé, mais je n'y suis pour rien. Mais en tout cas, le deck fonctionne super bien. Les potes, tout simplement, parce qu'on va en parler vite fait, après on verra des poteaux jouer en live et vous verrez que c'est cadeau. Donc du coup, golem de glace pour attaquer. Ballon. Éventuellement, donc golem de glace, ballon, on gèle et on clone. Quand le ballon est sur la tour, vous clonez direct et vous allez voir, c'est la violence même. Même si le clonage, perso, j'aurais jamais cru en dire du bien, les potes. Hein. J'en dis pas du bien d'ailleurs, j'en dis du bien pour ce défi, mais je ne conseille à personne de le jouer à part si vous voulez faire des vidéos troll. Donc on va demander à notre pote iCrew de lancer. Go! On lui met un petit go. Alors iCrew, il devrait lancer dans pas longtemps. Donc du coup, c'est lui qui va nous montrer comment se joue ce deck-là. J'aurais pu vous mettre des replays à moi, etc. Bon, on s'en fout. Ça s'est fait comme ça. L'essentiel, c'est de capter comment ça se joue. Alors, il tombe sur un mec qui joue mineur d'entrée. Ok. Vous pouvez tomber sur du mineur poison, mais c'est vrai que... Alors là, voilà. Est-ce qu'il met le petit combo de Tonton Gaël? Alors, il met le bûcheron derrière, il met le ballon. Le golem de glace en explosant, il va péter. Ouais, c'est cadeau. Là, c'est cadeau des familles. Là, forcément, bon, le mec en face, on n'est pas tombé sur une flèche. On n'est pas tombé sur une flèche dans le sens où le golem, dans ce défi-là, les potes, votre golem, que j'adore et que vous adorez, vous le prenez, vous le rangez au placard. Vous mettez pas de golem dans ce défi-là, les potes. Sans déconner, ne faites pas ça. Ou alors, vous mettez golem, vous jouez rivière. Soyez cohérent. Voilà, c'est le premier qui prend une tour. Parce que si vous... le temps que vous posez le golem, vous bouffez 8 élixirs. Le mec derrière, il a le temps de faire sa vie, quoi. Donc, vas-y, je veux dire, vas-y. Fais-en 2-3, voilà, il est chaud. Il est chaud le poteau. Bon, lui, de toute façon, il fait... C'est pas les 9 qu'il fait, lui, c'est les 50, lui. Il les fait par 10. Alors, il a relancé, c'est parti. iCrew the King. Allez, montre-nous comment. Donc, première game, il y avait le golem. J'ai presque envie de vous dire, les potes, ça compte pas. Ça compte pas contre le golem. Le mec, c'est... Voilà, il s'est trompé de deck, je pense. Donc là, on tombe sur Phantom Royal Bûcheron. Putain, poison, le mec est énervé. Le mec est énervé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il décide de push directement. Moi, franchement, j'aurais presque été tenté de push de l'autre côté. Bon, là, le sort de gel, c'est cadeau, sachant qu'il y a la méga derrière qui met les dégâts. Le clonage sur le ballon, c'est... Voilà, ça fait mal, hein. Ça fait mal au moral, j'avoue. Voilà, c'est un bon deck, hein. Le mec, a priori, il a la sorcière de la nuit qui déploie des chauves-souris, donc ça défend l'aérien un petit peu. L'électro-sorcier qui fait même temporiser. Il avait même une méga gargouille. Enfin, il avait tout pour défendre l'aérien. Et même quand il y a tout, eh ben ça passe pas. Ça passe pas, voilà. Ça passe pas, les potes, je vous le dis. Alors, il va nous en relancer encore. Hein. On va s'en faire plusieurs, histoire de voir un petit peu les différents counters qu'on peut rencontrer. Bon, c'est sûr que... Oh putain, on tombe encore sur un golem. C'est fou, ça. Ah, là, si gèle. Là, si gèle, la partie s'arrête ici. Là, malheureusement, bûcheron, ballon qui tape, les potes. Et ouais, là, malheureusement pour l'adversaire, parce que heureusement pour nous. Mais bon, vous avez quelques idées de ne pas... Faut pas jouer le golem, les potes. Ne jouez pas le golem, s'il vous plaît. Ou alors, ne jouez pas du tout. Ne jouez pas du tout. C'est encore mieux. Alors, il nous en relance encore une. Oh, on va pas s'en mettre 50, hein, mais on s'en met encore une ou deux. Allez, alors là, on tombe sur Bulldog 128. Comment ça va se passer? Alors, Bulldog 128, lui, il joue la sorcière. C'est pas mal. Elle est assez chiante, cette sorcière, d'ailleurs. Il décide d'agresser au ballon. Alors, il va geler. Il va geler. Et ouais, forcément, c'est les mêmes. C'est toujours pareil, les potes. En fait, c'est toujours pareil. Les potes, on va... Ouais, je vais vous parler un petit peu du deck vite fait. On va pas faire une vidéo plus longue. Hein. J'aime le format dynamique de la vidéo parce qu'il n'y a pas besoin d'en parler un quart d'heure. C'est assez simple. Je pense que les gameplays parlent d'eux-mêmes. Mais en gros, voilà, ce qui peut être important de rajouter, c'est que vous n'allez pas tout le temps avoir la meilleure main de départ. Sachant que la meilleure main de départ, ça va être golem de glace, ballon, bûcheron, gel. Là, vous mettez ça franchement, les potes, sincèrement. Vous êtes hyper bien parce que le mec, il met une horde. Vous fléchez d'entrée. Bon, faut être actif, hein.
Mais vous pouvez même mettre un esprit de glace derrière. Et surtout, ce qui est important, c'est voilà, le clonage sur le ballon. Quand c'est sur la tour, les potes. Hein. Quand c'est sur la tour. Et là, avec ça, normalement, c'est cadeau. C'est cadeau, en tout cas. Donc, les potes, explosez-moi ce défi. Dites-moi en commentaire combien vous avez fait. Je veux voir que des 9. La team, 9 victoires. Explosez-moi les commentaires. Bien sûr, les pouces bleus, vous me les défoncez, les potes. Je vous fais des grosses bises à tous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo qui va tout exploser. Où on va parler, les potes, d'un nouveau deck golem futuriste, encore plus violent. À très bientôt, les potes, à plus. Ciao, ciao.